Le Christ, il a envie de vous travailler avec son évangile. Quand le travail du Christ commence en vous, avec cette eau du baptême, et j'espère que vous vous laisserez faire. Vous vous laisserez pétrir par ses mains. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Vous allez recevoir une force qui va vous brûler. Et alors vous serez mes témoins. Et ce soir, on va avoir 20 et 30 confirmations. Et ils vont être confirmés, ils vont être passés au feu du Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, les autres, ils vont vous manger. Je l'espère, de tout cas. Quand ils vous rencontreront, vous, les chrétiens, les chrétiennes, quand les gens, ils vous verront, j'espère qu'ils mangeront du bon pain, vous voyez, bien cuit, bien croustillant, bien fabriqué, bien travaillé, qui va leur donner une joie, un réconfort, une force. Nous sommes le bon pain de Dieu. Est-ce que les gens peuvent en manger? Ce que je vous souhaite, voilà, je vous le dis comme un vœu pour ce soir, c'est leurs yeux s'ouvrir. Vous êtes mes amis, vous êtes la parole de Dieu qui poursuit sa course au fil des siècles. Vous n'êtes pas seulement mes serviteurs. Le serviteur, il ignore ce que fait son maître. Mais vous, vous êtes mes amis et tout ce que mon père m'a dit, eh ben, je vous le révèle, je vous le fais connaître et je vous l'explique. C'est pas nous qui avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Demeurez en moi comme moi en vous. Il demeure. Il va demeurer en vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il y en a encore d'autres qui se préparent. Et jusqu'au retour de Jésus, nous savons qu'il tiendra sa promesse. Seigneur, et voici ceux qui vont être ordonnés. Alors on voudrait que toi, tu les gardes toujours fidèles. À ton amour, à cette ordination, à ce que tu as fait pour eux. Demeurez en moi. Je voudrais être trouvé dans le Christ. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Que chacun des 10 qui sont ici devant nous et qui vont être ordonnés maintenant, à chaque moment de leur vie et jusqu'à leur dernier souffle, vous soyez trouvés dans le Christ. Thank you.
Santo Padre, sarebbe un vero regalo per loro di poter ascoltare una parola di conforto e di speranza da parte lei. Di speranza? Voi siete i protagonisti della speranza. Il futuro, il presente è nelle vostre mani. Di conforto, la parola di conforto, non abbiate paura. Prendete nelle mani la responsabilità. Siate coraggiosi, portate avanti i vostri sogni. È un consiglio che vi aiuterà tanto. Parlate con i vecchi, perché loro sono le radici e voi dovete prendere da loro quella vita vissuta che non c'è più, ma sono le radici del popolo e voi dovete portarlo avanti per farli fiorire e dare frutto. Non dimenticatevi che quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che è sotterrato. Andate avanti senza paura, con coraggio, dialogo, ma con l'appartenenza alla storia del vostro popolo. La storia del vostro popolo sono le radici e tutto lo sviluppo del popolo, ma il vostro popolo ha bisogno di andare avanti e questo è nelle vostre mani. Questa è la vostra speranza, questo è il vostro conforto e questa è la vostra sfida. Coraggio, avanti. Grazie, ci vediamo a Panama. A Panama. 55%. Da dove vieni? Che speras tu della iglesia? Ok, su Corina Mortela.